Donc bonjour, bienvenue sur Scooter Mec à boîte. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Alors, je suis en train de refaire un Piaggio Fly, le scooter de mon cousin, qu'il a acheté pour une bouchée de pain. Et en fait, à la base, je me l'avais amené pour un réglage ralenti, sauf que impossible de régler le... Enfin, pour un réglage carbu, et impossible de régler le carburateur. Je vais vous montrer pourquoi. Tout de suite. Donc là, c'est le cylindre. Hein. Donc le cylindre, il n'a rien. Là, vous avez le piston d'origine qui est marqué. Alors, ce n'est pas des rayures. C'est des traces de surchauffe. Pour la seule simple raison que l'ancien propriétaire n'a pas trouvé la meilleure solution que d'enlever le cache. En fait, vous avez le cylindre qui est sur le scooter avec la culasse. Vous avez un cache qui vient comme ça, sur le côté. Et vous avez une coiffe qui revient sur le cylindre. J'arrête pas de voir ça sur les scooters. Principalement, je le vois surtout sur les boosters. Les gens s'amusent à enlever la coiffe. C'est un truc qu'il ne faut jamais faire parce qu'en fait, si vous enlevez votre coiffe de cylindre, votre refroidissement ne va pas se faire correctement. C'est ce qu'il y a eu sur ce scooter-là. Ça, c'est des traces de surchauffe. Mais ça n'explique pas le problème du réglage du carbu qui est infaisable. Je vais vous montrer le pourquoi. Et je vais essayer de vous montrer en vidéo. Étant donné que j'ai pas les bonnes. J'ai des jeux de cale, mais c'est pas les mieux. Mais je vais quand même déjà juste vous mettre le segment et que vous regardiez juste le jeu. Donc regardez le jeu. Je vais essayer de vous mettre le segment dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Le segment est dans l'autre sens, regardez. Regardez bien le jeu. Je vais vous dire le jeu qu'il y a parce que je l'ai mesuré. Il y a 1,90 mm. Donc là, je prends une cale. De 1,00 et une cale de 0,90. Je mets les deux ensemble. Pas facile de tenir le téléphone et de mettre les deux cales. Donc ça fait ça d'épaisseur en fait. Regardez bien. Attendez. Voilà. Là, j'ai une cale de 1 et une cale de 90 de rentrée. J'ai ça sur les deux segments. 2 secondes. Et était plus bouffé encore celui-là. Je pensais qu'il était bouffé comme l'autre, mais non, il y a même encore plus. Je mens pas, hein. Regardez, je ne vous mens pas, hein. Zéro 90 et 1,0. Et là, actuellement, ça nage encore. Je croyais qu'il était au même jeu que l'autre, mais non. Regardez. C'est le côté extérieur. Hein. C'est le côté le. En fait, ils sont biseautés les segments, vous voyez, comme ça. Je suis dans la partie du haut. Hein. Regardez. J'étais bien dans la partie du haut.
Il a racheté un piston segment. J'ai regardé le jeu. Et le jeu est bon sur cela. De la saleté. Donc pareil, vous voyez, ils sont biseautés comme les autres. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais le rentrer. Voilà. Là, je peux essayer de lui rentrer. Regardez le jeu. Là, vous voyez bien, je ne peux pas rentrer une cale de 90 ni une cale de 100. On est d'accord. Du moins, c'est ce que je pensais, c'est ce que je croyais tout à l'heure. Voilà. Là, je mets une cale de 0,25. Vous voyez? C'est neuf, hein, ça n'a même pas encore été monté. Là, le jeu est bon. Le cylindre aurait été neuf, il y aurait eu 0,10. Hein. Mais le cylindre, il est pas. Bah, le cylindre, c'est le cylindre d'origine du Piaggio. Donc il a des bornes. Mais 0,25, c'est bon. J'ai regardé le jeu cylindre piston. Sur celui-là, on était à 0,8. Sur celui-là, je suis également à 0,8. Donc voilà. Je ne sais pas combien Piaggio préconise, mais normalement c'est 0,7, 0,8. Disons qu'à 0,8, il est sûr de pas péter le moteur, quoi. Et là, on est bon. Alors, je tiens à préciser que ça fait plus de 17 ans que je fais de la mécanique et je n'ai encore jamais vu un jeu cylindre piston au-delà de 0,70. Enfin, un jeu à la coupe au segment, j'ai jamais vu au-delà de 0,70. J'ai déjà vu 0,70 sur des cylindres qui étaient bien massacrés. Mais presque 2 mm, voire plus de 2 mm, hein, parce que le segment que j'ai testé avec vous, j'avais mis 1,90 et ça nageait encore, donc on était bien au-delà des 2 mm, je pense. Ça, je l'ai encore jamais vu. Et le pire, c'est que le scooter démarrait. Il démarrait encore très, 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 avec beaucoup de difficultés, du genre accélérateur à fond et à insister comme un malade sur le démarreur, on arrivait à le démarrer. Par contre, irréglable. Niveau ralenti, niveau carburation, vis de ralenti, vissé à fond. Il tenait à peine le ralenti. Et je n'ai jamais, jamais, jamais vu ça sur un deux roues, sur un deux temps. Un jeu cylindre piston, enfin un jeu coupe au segment, baisé comme ça. À savoir qu'un bisegment sur un deux temps, ça se change tous les 15 000 km minimum. Vous pouvez faire un petit peu plus, hein, ça dépend de la qualité, de comment est fait votre mélange et tout ça. Mais voilà, très clairement, c'est un truc qui a été un petit peu maltraité parce que quand on voit la gueule de la calotte, je sais pas si on va voir, mais en fait, j'ai un impact ici. J'ai un impact ici. J'ai un impact ici. Je sais pas trop ce qu'ils ont merdé, mais ça peut pas être un bloc piston, ça c'est sûr, parce que le bloc piston, il vient là. Je sais pas ce qu'ils ont été merdassés ici. Donc je pense pas que ça soit d'origine. Hein. Je connais pas trop les Piaggio, mais je sais pas. Mais en tout cas, il était vachement détonné au niveau du dessus. La culasse est pareil, c'était archi détonné. Le cylindre, j'y ai passé un petit coup de rodoir dedans, l'histoire d'enlever toutes les imperfections qu'il pouvait y avoir ou les trucs comme ça. Surtout avec des segments à plus d'un millimètre de jeu. Ça se passe de commentaires. Ça, faut que va falloir que je le passe au marbre avec du papier en grain 1000 parce que les Piaggio c'est monté sans joint de culasse. Je savais que sur les Ciao ça se montait sans joint de culasse, je savais pas que les Piaggio scooters c'était pareil donc advienne que pourra. Donc je vais bien le passer au marbre de façon à avoir un plan de joint vachement droit et pareil pour la culasse, ça va y passer aussi. Après, c'est peut-être pas interdit que ça se monte sans joint de culasse. La culasse est là en bas. Mais par contre, petite chose, quand vous avez des scooters comme ça, bah, entretenez-les. Déjà, ça peut être bien. Mais ouais. Là, j'étais obligé de partager ça avec vous, parce que franchement, même moi, je suis sur le cul actuellement.
J'ai jamais vu ça. Et ouais, j'avais pris le jeu à la coupe au segment l'autre fois. Je pensais qu'il y avait un 1,90 sur les deux segments, mais en fait, bah, ceux que j'ai testés avec vous, il y a encore plus. Donc j'ai jamais vu. Ouais, je me répète, mais là, j'étais obligé de faire la vidéo, de faire une vidéo pour vous partager ça là. Voilà. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo, petite vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on se remettra sur la DT50 de 2009, parce qu'elle est toujours pas finie. J'ai fait 2-3 trucs hors vidéo, comme démonter les fourreaux de fourche pour les emmener pour changer les joints spi. Je pense qu'on refera le reste du remontage en vidéo, parce qu'il y a des grandes chances que je la ramène ici. Là, je suis en train de faire les réglages carbu. J'ai changé le carburateur aussi, son carbu au gars, il était complètement mort. Enfin bref, on en reparlera dans la vidéo dédiée de ce truc-là. Voilà. Allez, c'est tout, comme je vous ai dit, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande, LG Motorsport Racing et Mob11. Également la chaîne YouTube de mon petit frère Streamix 2.0. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Bruno Devine, qui est une chaîne YouTube sur les voitures sans permis. Et puis voilà quoi. Allez, bah, à une prochaine.